crois. Alors, écran verrouillé. Pour au moins 45 minutes. Au moins. Il n'y aura pas trop de bouchons. On va voir ça.
1 minute. Putain. Là, j'ai pas trop de temps. Ça vient d'arriver à. Je sais pas. 9h15. C'est un peu trop optimiste, je pense. Carrément. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai déjà la route du littoral. Putain. Là, c'est ce que je disais, on voit un peu trop la clim. Genre le tableau de bord, on le voit un peu trop. Enfin, pas bon. Pour ce que c'est, bon. Alors, qu'est-ce que tu me racontes? Je vois pas. Attends,
souvent utiliser mon téléphone au volant. Mais j'y touche pas au téléphone. La vidéo est propre. Ok. Et je peux pas mettre ton tel. Autrement ? Non, je peux pas. Je peux pas. C'est la seule façon que je peux mettre. C'est un peu dommage d'ailleurs, parce que même le chat, genre, il est de travers, franchement. Enfin, c'est pas agréable. Je suis en train de crever. On voit que mon auto est propre. Ah, d'accord. Après, c'est le tableau de bord. Si tu dis que la vidéo est propre, tant mieux. Tant mieux. Là, j'utilise le câble avec les trois embouts. Je le fais passer sous le volant. Vaut mieux de travers que pas du tout. De quoi? C'est de travers là? Ça met encore de travers. Ah, faut que je trouve une solution. J'essaierai de voir ma maison. Le streamer. De quoi le streamer ici? Merci. Ouais. Ah, lol. J'ai pas vu le lol. Le soleil est là, bah ouais, hein. Là, il y a du soleil. Hein. Putain, il y a du monde de l'autre côté. Hein. Attends. Des fois, avec le soleil, justement, même moi, je vois pas ton message. Quoi. Moi, un peu de temps. Moi je pars peindre. Ah oui, votre peinture. Ils viennent tous chez nous chercher la chaleur. Voir des fourmis. Toi tu pars. Les gens en général. Automobiliste. Oh. Un, je vois. Ailleurs qui vont venir chercher la chaleur. La main de plus tousser si possible. Je te garde. Avec moi pendant que je peins. Ok. Pas facile, hein. Pas facile à lire.
Dur, hein. Attends. Salut Mest. Fairytale. Fairytale derrière. Ouais, je mets des musiques de tout. Si la vidéo est propre, tant mieux. Toi, c'est le principal. Je vais rester là. Prendre le tunnel. Comme ça, on va plus rien capter. Allez, yes. Non, en vrai, je pense que ça capte toujours. Je pense, j'espère. On va supposer. Hein. Supposer. Normalement, je capte. Mieux. Bon, je suis à Saint-Denis quand même. Oui, ça capte. Mais tant mieux. Ça fait chier avec les travaux là. On est obligé de passer dans le centre à chaque fois. C'est emmerdant. Là, on voit la mer et tout là, pépouze. Tranquille. Tranquille, tranquille. C'est le truc que je pense pas qu'on entend beaucoup le bruit de la voiture. Je pense pas. On entend beaucoup le bruit de la musique là, ouais, c'est sûr. Alors je vois pas fort du tout. Par contre, la voiture elle-même, je pense qu'on n'entend pas trop. Pas mieux. Vraiment du monde à ce là, putain. J'espère que ça va pas bouchonner vraiment. Tant que ça bouchonne pas, moi ça me va. Beau temps, ah, clairement il y a un beau temps. Il y a un beau temps, il y a un beau temps. Bah, si ce soit sur Nice Saint-Paul, tout. On n'entend pas le moteur silencieux de mon super auto. J'imagine. Là, on va un petit coup dans l'est, là, on va vers Saint-Benoît. On verra s'il fait le même temps. Bon, logiquement, il n'y a pas de raison. Hein. Logiquement, il doit pouvoir faire le même temps, mais on sait jamais. En voiture de rallye. On l'a vu.
Moi, en tout cas, j'ai vu. Qu'est-ce qu'il fout ici, là? Petit chapiteau. Ah bah oui, c'est le rallye encore. Il y a plein de voitures de rallye. Putain, Fab, il serait content. Il y a de tout, là. Ils font tous les enregistrements, je pense, pour un prochain rallye. Welcome, mais il fait sombre. Ah ouais, tu vas... T'es sur Saint-Benoît, là, en ce moment? On va voir, hein. Ah oui, non, mais là, les pilotes, ils font carrément des selfies et tout, ouais. Il y a plein d'autos, il y a des Porsche, il y a plein de trucs. T'as bien arrêté, mais on n'a pas le temps. T'habites là-bas toi aussi? Ah ouais. Ah ouais. Ça par contre j'avais complètement zappé. Hein. Parce que bon. C'est là-bas que j'habitais, Sofiane il habite là-bas. Trop bien, trop pas mal, ça pas mal. Le temps Saint-Denis, ah ouais. J'imagine quand même un peu parce que là vraiment ça tape. Hein. Ça tape bien. Le soleil m'éblouit. Petit radar encore. Là ça va, ouais, c'est plus à la sortie de Saint-Denis qui me font chier. Là normalement c'est pas un problème. S'amuser avec les feux rouges et d'avoir quelques-uns normalement logiquement. Les gens ils commencent à travailler à quelle heure là? Parce que c'est blindé à 9h sur la route, donc ils travaillent à quelle heure les gens là? Faut m'expliquer. C'est bizarre quand même. Oh là là, toutes les motos qu'il y a derrière nous. Je vais voir passer, normalement. Ils entendent aussi. Oui, il y en a encore plein, hein, mais. Il y en a que deux qui ont voulu doubler. Où c'est que je vais faire l'essence, retour hein, je pense. Je m'emmerde, j'ai pas de liquide pour acheter de l'argent. Quelqu'un t'a comme ça, les motos elles sortent. Hein. Normal. Hein. Normal. J'aurais fait pareil.
Non, 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 j'allais pas griller le feu rouge. j'allais pas faire ça. En vrai, je serais passé au orange dans tous les cas. Je pense. Il va bien vite le mec devant, hein. Tu vois. Je sais pas si on. Oh, tu vas très vite là, est-ce que tu t'es chopé par ce radar là? Je sais pas. De toute façon, je le verrai par courrier, hein. Avec le truc de la fin de l'autre jour. Moi je grille pas, moi. Celui-ci il est tranquille aussi ce radar là. Mais il y en a, tu vois, il y en a 3 sur 100 mètres, c'est abusé. Abusé. Et virage interminable. Le téléphone il charge en même temps, donc ça je perds pas de batterie. La seule chose que je perds c'est de la 4G, hein. Mais en vrai ça a pas l'air d'en prendre tant que ça, donc c'est pas mal. Si je perdais 1 giga toutes les 10 minutes, ça serait un peu problématique, mais c'est pas du tout ça, c'est plus soft, tant mieux. Quasiment fait la moitié. Je devrais arriver. Oh putain, il est déjà 9h passé. Je devais être à 9h là-bas. Aïe, bobo. Non, en vrai, ça va, tranquille. Tranquille, tranquille. Simple, j'ai lancé le live, j'étais sur le symbole. Et là on a dépassé Saint-Denis. Ça va. Ça roule, ça a bien roulé quand même. Ouais, j'ai vécu. Pour l'instant. Et puis après normalement il devrait pas y avoir de soucis. Normalement. Mais je me disais bien par exemple hein, que là, là avec mon live voiture j'aurais que des gens de la Réunion. Impossible qu'il y ait à avoir un métropolitain. Impossible. Et ça ferait trop tôt. Là le Moscou il m'a dit il dort. Hein. Sécher un jeu comme pas possible, donc bon, normal aussi que qu'il soit en no life, hein. Moi il m'a dit j'étais en ES Life, ça m'a fait plaisir parce que je suis complètement en ES Life, hein. Putain.
que Mosgo il dorme, hein. C'est con. Tu vois, il ose dire la savane, hein. Putain. La savane, hein. Là, on la voit, la savane, hein. MDR. Malade mental. Ah, pen. Non, c'est bon. Grosse alerte. Donc là, si je comprends bien, le seul souci là de la caméra, c'est qu'elle est en mode paysage alors que je suis en mode portrait. C'est ça. Hein. Donc je suis c'est un peu de travers quoi. Bon. C'est le seul souci. J'imagine bien. Si je comprends bien. Parce que bon, le souci de la clim là, on s'en branle un peu. Hein, je peux rien y faire de toute façon. On voit quand même plus des trois quarts de l'écran le paysage. C'est déjà bien. On va satisfaire de ça. Par contre, pour le coup, l'orientation du téléphone, ça par contre, faut que je vois. J'avais une application qui permettait d'avoir une orientation différente pour le coup. On verra bien. J'essaierai plus tard. Sainte Suzanne. Justement à Saint-Benoît, donc là on voit que les nuages s'y côté de Saint-Benoît. Bon, ça va, après de toute façon on retourne vers Saint-Denis. Saint-Benoît, hein. Ça pourrait te dire. Passer par les plaines, tout ça. Bon. Caméra elle supporte un peu mieux. Attends. Oh le bâtard. Vraiment un connard hein, le camion. Au lieu qu'il ralentisse et qu'il me laisse passer, j'en avais rien à foutre.
fils de pute. C'est pas interdit les sans permis là sur la 4 voies? Abusé. J'ai filé comme un connard. Non mais il peut pas ralentir, c'est ça. Il peut pas me laisser repasser devant lui, non, c'est trop compliqué. Il vaut mieux faire un accident avec un mec qui rentre dans une voiture sans permis, c'est plus marrant. Ah ça me vénère. Heureusement que la voiture traîne bien. Quelle idée aussi, une voiture sans permis. Mais c'est ça, c'est ce que je disais aussi, ouais. Qu'est-ce que ça fout sur la cadoua? Alors le truc il roule à 30 là. T'arrives à 110 derrière, bah t'es content. Hein. T'es content. Bah j'étais très content. Moi ça m'a fait plaisir. Ma sacoche était sur mon siège, elle est passée par terre. Voilà. Très heureux. En vrai, je pense à la caméra, on n'a rien vu quoi. Mais bon, moi j'ai senti de ce chien là. Laisse tomber. Enfin bref. On va rester bien loin de lui parce que bon. Qu'est-ce que je t'emmerde? Aïe aïe aïe. Tu vois, mais non, mais ce genre de réflexe, maintenant il aura pas le choix. Ce genre de réflexe à la con là, que t'aimes pas trop avoir, mais qu'il faut quoi. Là, il faut pas hésiter à piler quoi. Bon, c'était dangereux s'il y avait une voiture derrière moi, mais j'ai vérifié, il n'y avait rien. Donc. C'est vraiment juste la voiture sans permis qui faisait chier. Mais ouais. Moi, c'est le permis à La Réunion. Complexe, hein. Surtout quand tu passes en centre-ville, quoi. L'Est, elles vont dans l'Ouest. Est-ce tout compris? Voilà, c'est joli, c'est éclairé là-bas dans le cirque. C'est pas mal. Dans le cirque. Vraiment le cirque. Pas mal. La fameuse bosse là, du pont, ça veut dire qu'on est pas loin. Les 20 bornes ont été effectuées quasiment. Cascade du chien. Normalement aujourd'hui je devais faire ça là. Cascade du chien en rappel. Normalement je devais faire ça. Mais bon. On verra ça plus tard. De toute façon comme l'autre fois je pense que tout ce qui est canyoning comme ça j'aurais pas de connexion internet. Donc je peux juste faire quelques photos. Et puis bon après les poster en avant. Pas trop d'autres solutions. Quand la 5G existera, peut-être que j'aurai mes chances. Mais pour le moment, dommage.
Mest, c'est encore là, tu sais. Depuis combien de temps ils ont retiré le pont de la Marine? Parce que j'ai un. Bah justement, Sofiane, il habite Saint-Benoît, il était même pas au courant. Genre le pont de la Marine Rose, là, ils l'ont retiré, il n'y a pas si longtemps. Ce qui paraît. Trop bizarre. Donc 7 km. Tu sais pas trop quand est-ce que ça a été retiré? Oui d'accord, c'est récent quand même, non? Non, ça c'est dommage. Ah oh, oui, il pleut en plus, super. Je n'ai pas avec toi que c'est dommage, mais... Pour les tractions, ça c'était rigolo. Puis ça faisait un peu une image de la marine. Tu savais que t'étais à la marine quand tu voyais ce pont. Il y a un bouton quand même? Ah ouais. Ah ben l'autre sauterelle là, c'est toi qui s'aime même pas, putain. Abusé. Moi je sais qu'il y a 2 ans il était là, en tout cas, ça c'est sûr. Il y a 2 ans j'étais encore en train de faire une traction dessus. Bon, ça restait quelques minutes seulement, pas une grosse pluie. Putain, les cannes c'est bientôt la récolte là. Bientôt la période. Ça sent bien grand. Est-ce que je passe par centre-ville? Ouais, allez. Nous sommes arrivés. Putain, toujours aussi moucate et à mettre des déchets ici là. Ah oui, bah oui, ton clignotant il est bien présent, toi, bien présent, connard. Attendez, ça fait. Voilà, on vous avait vu, vous avez vu. Ça fait trop bizarre qu'il n'y ait plus le pont. C'est une arrivée incroyable. Bon, heureusement, non? Salopard. En vrai, c'est sombre, mais ça va, ça reste un temps correct. Je m'attendais à pire. Ça va, j'ai pas mis longtemps. Hein. Normalement, si vous arrivez à voir le temps, depuis combien de temps le stream est lancé, vous pouvez vous. Enfin, vous savez exactement combien de temps j'ai pris. Donc, moi, je vois pas, hein, parce que je conduis. Hein. Je pense que c'est un bon argument de conduire. Mais vous, peut-être que vous pouvez voir. Mais après, le reste a pas trop changé, hein, Saint-Benoît, j'ai l'impression. Le reste. Un mess, ça se trouve, il va se mettre sur le trottoir et va me faire coucou. Non, je rigole. L'immeuble abandonné avec toujours la moto bleue. Ça change pas. Non, pas du tout. Attends, de quoi? Attends, c'est pas pour ça qu'ils disent. Ah non, ouais, dimanche, embouteillage, non, je suis tranquille, là. Je suis tranquille. Il y a l'église, à ma droite, que vous ne pouvez pas voir. D'ailleurs, il y a eu une messe, hein. Il y a une messe. Ça fait bizarre. Est-ce qu'il y a moyen qu'il me laisse passer ou non? Il en a un, non. Ok. Tout est fermé. Bon, en vrai, ça change pas dans semaine. En semaine, c'est pareil. Il prend son temps, hein, ce Hyundai. Va-t-il rentrer dans la dame? Va-t-il faire un strike? Passer devant chez nous. Eh oui. Je pense, je vous laisse dans la voiture le temps que je récupère Sofiane.
Je vais même changer la cam hein, pour éviter de montrer exactement où il habite, c'est un peu... Voilà quoi, ça se fait pas trop, vous voyez. Je vais vous laisser dans la voiture, je vais pas vous couper je pense, pas tout de suite du moins. Je verrai avec eux ensuite si on vous coupe. Oh, il y a un match de foot. Le foot, on dirait entraînement ou match. Je pense entraînement. On va bien regarder. Qui ne sait pas se garer encore. Ce bordel là. Ça pour aller chercher le pain quoi. Ça pour prendre une baguette. Chacun son tour. Déjà j'ai déverrouillé l'écran. Que normalement je l'ai verrouillé pour que ça évite de faire des haut bas. Pas le Mars puis l'ami hein, évidemment. Et puis attention, hop. Voilà, vous voyez juste un bras, j'espère que ça vous plaît. C'est une belle vision. On est temps d'aller chez lui dans 2 secondes. J'y suis. Pas la pluie, ouais. Et ouais. Qu'est-ce que... Vous voyez pas, mais il y a un mec qui avait carrément franchi le feu rouge, genre à moitié, puis là il fait marche arrière tranquillement. T'arrives bientôt. Salut Adèle, oui. Ouais, je suis là, je suis au carrefour. Hein. Au carrefour. Qu'est-ce que je crâne? Qu'est-ce qu'il raconte? Arrête de fumer. Hein. Si je fais, je coupe Adèle, je coupe pas. Je coupe pas. Je coupe pas, hein. Qu'est-ce que je fais? Je rentre ou je rentre pas? Sofiane qui a envoyé le message. Ah, je m'en doutais. J'ai quand même dit Adèle, mais je m'en doutais. Attends. Bonne moto ou le beau? Fatigant, vraiment. Vraiment fatigant. Bon, je viens ou je viens pas là? Vous arrivez ou vous arrivez pas? Fatigant. On va se revigorer un petit peu. Super. Qui c'est qui a rempli les bouteilles à bord comme ça là, putain? C'est foutu partout. On sent que c'est de l'eau. Heureusement. Ce Death n'aime pas attendre. Non, c'est trop chiant d'attendre. Il y a une perte de temps considérable. Surtout comment. Ah! Je vais peut-être descendre même. Je descends peut-être. Bonjour!
Ça va bien? Oui, et toi? Tout le monde dort dans la maison? Non. J'aurais dû venir dire bonjour? Ouais. Tu m'as rien dit, tu m'as rien dit. En plus, ta mère, j'ai attendu, elle veut bien dire bonjour. J'ai demandé. Ta mère, elle veut bien dire bonjour. Bah oui, elle veut bien. Tu sais, bah, y a Adèle juste derrière, c'est super. Je vais faire l'animation. Bah vas-y, hein. Ça gêne pas, on va où, hein? Non, faut mettre Sofiane, comme ça, elle fera l'animation. Je suis déçu. Je suis déçu des chewing-gums. T'en as pas? Non, il n'en a pas. Je vois ça un jour. Ton mère qui dit bonjour. Hein? Qui? Qui dit bonjour? Tournesol, tournesol. Salut, tournesol, ça va, tournesol? Bonjour, tournesol. Bon, va où, hein? Bon, va à Saint-Denis. Je sors de Saint-Denis, là, faut retourner à Saint-Denis. Tu vas aller où, à Bethléem? C'est pour eux, c'est fermé, Bethléem. Il y a eu des éboulis. Ah ouais? Oui. C'est un peu triste, non? T'as chaud, là, déjà? Ouais, un peu chaud. Elle est bien, la voiture. Ouais, elle est bien. Je fais coucou, comme une conne, alors que personne ne me voit. Ça, c'est oui. J'avoue que c'est pas... Ah, si tu fais coucou devant ton téléphone, c'est compliqué. Hein. C'est compliqué. Hein. On va où? Saint-Denis. Il veut pas aller à Saint-Denis. Tu vas aller où? Non, mais vas-y, dis-moi, tu vas aller où? Je m'en fous. On va au volcan? On va au volcan, n'importe quoi. Il veut faire le tour de l'île en une journée. On va où du coup? Hein, au volcan, à Saint-Fini. On va dans ton huc. Mon huc. Super. On va là où. Où le vent nous mènera. La voiture mof. Nous mènera. Des mofs. Ouais. Nice, hein. Oui, cool. Toi, hein, c'est pas... Bonne journée, je vous kiss. Cool. Kiss. Sur la fesse gauche. Super. Regarde. Je fais un drift, là, drift. Non. Dommage. C'est quoi ça? Mais en vrai, il est bien ton. Comment? Ton truc pour poser ton téléphone. Tu trouves? Bah ouais, ça va. Je trouve pas si ouf. En vrai, ça aurait été mieux les trucs qui se fixent sur la vitre et que tu peux. Ouais, mais après, c'est dangereux pour les pare-brises. Sur le pare-brise. Mais il y a plein de gens qui ont. Qui ont pété leur pare-brise avec ce genre de choses. Moi, j'ai pas osé prendre ça. Si un truc pareil comme ça, mais qui monte un peu plus haut, quoi. Pour éviter de voir ça. Comme les trucs qui se mettent sur le pare-brise, sauf que tu mets sur. Comme là. Ouais, ça coûte cher. Fais un don, Sofiane, tu fais un don. C'est quand ton anniversaire? Ah merde, c'est passé. C'est passé. Oh bah zut, ça aurait été un beau cadeau ça. D'ailleurs, il est où mon cadeau? Quel cadeau? Mon cadeau. Mon cadeau. Bah, hein? Il est où mon cadeau? Allô? Donc on va où là? J'arrête. T'as une idée ou pas? Non, j'ai pas d'idée. Ah non, Saint-Denis, c'est bon. Tu veux qu'on aille à la plage de Saint-Denis? Bof, hein, non. Je veux qu'on aille. Une mof. On va vers Saint-Denis. C'est bon, je peux remettre la caméra là. On va vers Saint-Denis. Hop. C'est bon. Ah, tu reviens dans l'autre sens. Ouais, bah quand même, non. À moins que tu veux prendre, ça vient de prendre le téléphone. Prends le téléphone. Je fais le timide. Prends le téléphone. Non. C'est qui prenait le téléphone qui était assis là chez les Nicolas? C'est pas moi. C'est moi, donc tu prends le téléphone. T'arrêtes de me casser les couilles. Montre tes belles chaussures. Voilà mes chaussures, voilà mes jambes. Petit poil. Ouais, j'ai pris chaussures presque comme toi. Petit poil. Là, elle dit ouais, mais des mocassins. Des mocassins. Waouh. Oh yeah. Ah putain, mais merde. Vous avez fait quoi, hein? Rien du tout. C'est mauvais poil. Je conduis, arrache pas. Ouais, tu fais comme tu le sens, hein. Là, tu peux mettre comme ça plutôt. Et arrête de te montrer où t'habites. Ouais, il a envie de montrer. Ouais. Moi j'ai retiré la caméra. Monsieur là-bas. Ça c'est Jean-Pierre Polnareff. C'est du gars. Bah allez, vas-y. Ouais. Décline son identité. Allez. Non, je mets ce prénom, hein. Et du gars, il y en a plein. Il y en a vraiment trop par contre. Monsieur. Là-bas, il y a une dame. Arrête. Non mais sérieux. Mets le téléphone en vertical. Eh hey, madame. Là tu mets le téléphone n'importe comment. Attends, je vais voir. Moi non, je suis pas un streamer moi. T'es un streamer? C'est un. T'es un animateur pro, alors tu fais l'animateur pro. Ouais. Gagne sur la chaussée. Oula, il fait quoi lui? Dépassement dangereux. Non, tranquille, c'est à moi de me serrer.
T'aurais vu ce que j'ai fait avec cette voiture, t'aurais pété un plomb. T'as fait quoi? Mec, il tourne la caméra, t'as fait quoi? Non, mais fait quoi? Arrête, laisse-moi tranquille, je conduis. Je suis monté dans les hauts de Sainte-Marie, mais vraiment très haut. Tu connais Piton Fougère? Salut Mast. Ça va? Bah, du coup, peut-être qu'il part, non? Il part quoi? Je sais pas, bon, si tu dis salut, parce que moi, il est là depuis longtemps. Hein. Non, moi, je dis salut pour lui dire bonjour. Ah, d'accord. Pourquoi tu lui dis salut? Si, il est là peut-être. Il est là. Et du coup, je caresser le gars dans le dos alors. Tu connais pas Piton Fougère? T'es où? Sainte-Marie. Non? Non. Bah, je suis monté là-haut. Quand? Avec la voiture. Quand? Quand ça? Bah, dis-moi, j'en sais rien, moi. J'ai plus, il me semble, c'est mardi. Il me semble. Tu vois le mec là-bas en vélo là? Bah ça va être toi quand tu feras le tour de l'île. C'est Rémi Paul. Hein. Non, c'est pas Rémi Paul. Rémi Paul il m'a dit qu'il allait faire un tour de vélo vraiment, donc ça se trouve on va le croiser. Il va faire un tour de l'île là? Non, pas là. En tout cas, je lui ai parlé de ce qu'on allait faire, tu vois. Il m'a dit, ah allez Azot. Azot, ça fait un petit peu vélo. C'est ce qu'il m'a dit. Ah, Rémi Paul là-bas. Ah bon? Ah, t'es concentré. Film comme ça, putain. Voilà, là il fait plaisir. Là tout le monde est heureux, je pense. C'est temps. Là, ça te fait l'épaule. Pas besoin. Change la musique aussi, comme ça. Comme ça, là. Change la musique, comme ça. Qu'est-ce que. Non. C'est ça le son. C'est quoi ça? Changer la fréquence. Ah. Là, t'es à combien de Hertz? 144 Hertz. 144 Hertz. 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 Là, on voit bien l'écran, on voit bien. En plus, c'est Gintama. Mais tu sais que ça rend vraiment fort, écouter l'écran. Ah bon? Ah oui. C'est pour ça que je mettais pas fort. Test, allez, le test. Attends, j'ai un gros décalage. Par contre, faut que tu fasses un effort et retirer le décalage. Hein. Tu l'aurais actualisé. C'est bizarre de voir ça, la grosse tête à elle aussi. Là. Ça t'a fait bizarre, non? Non. T'es content? Ouais. Pourquoi? J'étais plus content de te voir que de voir. Quoi? Quoi? Hein? Quoi? Il dit des trucs méchants! Il a dit quoi? Il a dit qu'il nous aimait pareil. Ouais. Il rattrape, il rattrape. Pareil, mais pas pareil. Ah bon? Bah, je vais pas faire les mêmes trucs avec Adèle qu'avec toi quand même. Ah bon? Pourquoi pas dire ça? Bah, par exemple, avec Adèle, je vais pas faire des tractions, tu vois. Avec toi, ouais. Avec moi, oui? Ouais. Bah, oui. Ah tu vois, il y a des gens qui savent pas faire de traction. Même pas. T'es dans le même club que Mosgo. Que Mosgo. Je rigole hein. Je rigole Mosgo hein. Oui, c'est pas ta traction. Bah moi je crois en lui en vrai. Tu crois vraiment en lui? Oui, oui. Fort. Bah, il sait ou il sait pas faire? On sait rien. Bah. Il nous dit qu'il sait. Il nous dit qu'on le sous-estime parce que une traction c'est rien. Alors que c'est dur une traction. Bah oui, c'est ce que je disais hier. Mais bon. J'ai dû m'entraîner à fond, mais ça m'a fait. Tu sais faire la traction? Bah non, je sais plus faire. Ah, tu savais faire? Oui. Depuis quand? Tu m'as jamais montré. Bah si, je t'avais dit. Oui, tu m'as dit. Tu m'as dit. Après, tu m'as dit, ouais, faut voir comment installer la barre et tout, installer ta barre, c'était trop tard. Putain, faudrait que j'en fasse chez toi. Quoi, chez moi? La traction? Pourquoi chez lui? Avec toi? Mais toi, t'as une barre, moi, j'ai pas de barre. Ah, mais c'est pas une barre. Hein. Ta barre est chez moi, tu m'as dit, c'est un truc carré. Oui. Non, tu peux pas faire de traction comme ça. Non mais c'est bien. Comme ça tu peux pas c'est faire bien, comme ça. Ça. Non mais même comme ça tu peux pas faire. T'es obligé de mettre ta main comme ça là. Et c'est juste tes doigts qui sont posés. Non mais c'est. T'as ta barre chez moi. Ouais mais ma barre elle est cassée. Merci. Ouais, j'arrive pas à la remettre comme elle était. Et donc vous rentrez en bus? Allô? On à pied. À pied, ça fait un petit coup de chemin. Ouais. En vélo encore, tu m'aurais dit. Bon, j'aurais dit. Dès qu'on arrive à Saint-Mille, on partait à pied. Pour arriver au moins avant le lendemain, quoi. C'est ça. Parce que je travaille demain. D'ailleurs, je vais faire ma première dose de vaccin tout à l'heure. Ah, tu te fais vacciner? Ouais. T'es obligé pour voler et tu m'avais dit que tu voulais pas te faire vacciner? Non. Personne. Je suis pas obligé. Si t'es obligé pour prendre la. Non, j'ai un motif impérieux. En tout cas, faire test PCR aussi. Ouais, je sais. Oh voilà. Heureux. Du coup, tu vois les messages? Moi, je vois rien. J'espère que Mosgo il est là. Mosgo, il est pas là. Hein. Mosgo, il
8h. Let's go. Let's go. Let's go. Je lui ai dit en plus à hein, 6h30 du matin chez toi, il y aura un live, il m'a fait non, mais non, ouais. Nico, c'est possible, je pense. Nico ? Ouais. Ils sont couchés tard hier. Nico, c'est un mec qui se lève à 8h. Ah bon ? Bah oui. Bah quand t'étais chez lui, il se levait à quelle heure ? 9. Ouais, voilà. Ah, ça va pas changer. Je vais appuyer. Tu vas appuyer, t'as pas confiance en moi et ma conduite professionnelle. Ah monsieur, c'est interdit. En plus le son il change à chaque fois. Mais du coup, ah non c'est bien ça. C'était bien ça, c'était bien. Ça va te dire un truc. Ça te dit rien? Non. Chanter en live en plus ce truc là. Ouais bah écoute, quand tu chantes pas c'est... Non, quand tu chantes c'est compliqué. Mais hein. La musique derrière. Quand tu chantes c'est compliqué. Mais tu sais pas que tu sais pas chanter. Qui ça? Qui? Toi. C'est pas la guide hein. Je à sais moi. Putain, je sais. Toi t'as... Je sais. Comment tu veux pas? Faut vraiment que je tienne le téléphone là. Non mais t'as envie de le poser là-bas. Ah c'est bon. Je vais pas montrer la tête, elle va montrer la tête, c'est un coup. Bon. Je vais pas faire un bisou à Mestre. Un bisou à Tonessa là. Non non. Tonessa elle me verra, elle verra. Elle te verra quand hein. Hein. Ah un chat mort sur la route. Oh là là. Vous l'avez pas vu, de, dommage, dommage. Qu'est-ce que le tien il ferait là? J'ai pas de chat moi. Ah d'ailleurs t'as ramené tes chattes. Ouais mes deux. Tes deux chattes. Mes deux, Collé. Dans une boîte. Là à quel âge Guada maintenant? 7. 7 ans. Ouais. Déjà. C'est beaucoup hein. Ouais. Ça veut dire que ça fait 7 ans qu'on se connaît quasiment. Bah non, tu l'as eu avant. Quasiment, putain, il écoute. En vrai, on se connaît depuis quand? Depuis la seconde. Ouais. Première, ça fait terminale. 10 ans et demi. 1, 2, 3. C'est mieux qu'en plus, hein? 5 ans. C'est mieux qu'en plus. Hein. Ça fait 5 ans qu'on se connaît. Non, non ça fait 6 ans. Ils ont payé. Non, payé avec le gentillesse. Sublime. Je viens de te payer en nature. Ah, ça oui. Qu'est-ce qui t'arrive, c'est bien? Ah, moi aussi j'ai conduit sur cette route. Hein. T'as conduit sur cette route? Ouais. C'est quoi là que tu dis ça? Alors que c'était conduit. Ça fait 10 ans qu'on est là. Hein. Ouais, c'est pour dire que t'as conduit tout avant aussi. Ouais, c'est vrai. Mais qu'est-ce qu'il fait? Pourquoi il a remis son pied autant? Asserrez-vous, monsieur! Asserrez-vous! Mais c'est assez, mais il a voulu me redépasser. Il est fou. Je suis tombé à l'allée, vous avez pas vu, je pense, mais j'ai failli rentrer dans une voiture sans permis. D'accord. Il y en avait une là en fin de compte, et j'étais sur la ligne de droite, et il y avait un camion qui me dépassait. Et je me suis dit, vas-y, j'accélère, le camion il va me laisser passer quand même. J'ai failli rentrer dans la voiture sans permis. Parce que le camion, bah, il avait juste envie que je rentre dans la voiture sans permis en fin de compte. Attends, il y avait le camion sur la voie de dépassement. La voie de dépassement. Enfin, c'était pas un camion, c'était putain un fourgon, tu vois. Il était loin ou pas? Comment ça, il était loin? Mais je veux dire, tu voulais t'insérer sur la voie de dépassement. Bah je voulais sortir de la voie, ouais, parce que la voiture sans permis était là. Le fourgon était là. Ouais. Voilà. Oui, mais le fourgon était juste là, en fait. Oui. Bah non. Tu attends que le mec te dépasse, c'est tout. Mais oui, mais je pensais qu'il allait me laisser passer quand même. Ça aurait été sympa. Tu sais, dans le code de la route, c'est écrit, il faut toujours penser que ça passe pas. Mais j'ai pensé que ça passe pas, heureusement, j'ai pas fait d'accident. Mais normalement, il aurait pu. Genre, il prenait 10 ans à me dépasser, il avait juste à piler un tout petit peu. Et je passais, tu vois. Parce que moi, contrairement à lui, j'ai une voiture qui roule vite. Tiens, message à Mosgo, regarde. Ça, c'est la savane, ça? Non, c'est pas là, la savane. Tu lui montres la savane, là. Là, tu lui montres les cannes. Là, ça, c'est la savane, ça? Non, c'est pas la savane. C'est un enfant. Regarde, il y a des routes. Il y a des routes goudronnées avec des marques blanches au sol. Il y a des voitures. Est-ce qu'il y a ça dans la savane? Non. Voilà. Donc, c'est pas la savane. Regarde, des panneaux, regarde. Waouh. Incroyable.
On sait lire à La Réunion. Des poteaux électriques. Oh, Sainte-Marie, c'est bien Sainte-Marie. Quoi? Je sais pas, moi, elle m'en fout. On va aller au parc de la Trinité. Tu veux vraiment aller au parc de la Trinité? Bah, t'as pas vu le parc de la Trinité. Ça se trouve, tu vas rencontrer ton âme sœur là-bas. Franchement, si tu me fais rencontrer quelqu'un, Sofiane, je te paye. Je te paye. Fais gaffe, on va à Saint-Denis. Et alors? Et alors? C'est vrai. Franchement, je crois même pas à 10%. Avec ma gueule là, ils vont juste faire. Mais après, si je te fais rencontrer quelqu'un, c'est à toi de faire le travail. Hein, Tu vas me faire rencontrer quoi? Thé? Un thé? Oui. Il va te faire rencontrer moi de quoi? Non, mais un thé, il va me faire rencontrer un thé. Non, non. Un thé. Tu connais Transcontinent? Transcontinent, le truc pour prendre l'avion. Bah, c'est pareil, mais sans le continent. Transtopel. Kinomoto. Ah, arrête, tu sais que t'es mal liké ou pas? Ah bon? Mais oui, je t'ai dit. Tu veux que je te dise la vérité, Daryl? De quoi? C'est pas elle, c'est il. Oui, bah oui, bah c'est ça, oui. Bref, mais je pense qu'elle veut qu'on l'appelle elle. D'accord, bah. Ouais, j'ai pas de nouvelles de Kinomoto, ça me. Pas de nouvelles? Non. Moi, bah, je l'ai fait à Malaké. De temps en temps, je vais sur Tinder. Là, je suis allé hier soir, j'ai vu que j'avais 12 likes. 12? Ouais. Ah oui, c'est bien. Non, mais. J'ai installé mon compte avant. Il y a 3 jours là. Hein? De quoi? J'avais supprimé parce que ça buguait. Ouais, ça buguait. Du coup, j'ai. Pour toi, c'est quoi un bug? C'est le fait que t'aies jamais de like? Non. Arrête de me filmer, je conduis. Non, mais même, il y avait pas des meubles de métropole et ça, donc ça n'a aucun sens. Ouais. Les murs partent sur cette bonne base. Et bah, ça va, quoi, j'ai déjà 3 likes, mais bon. Et qui nous moto dans le tas, quoi. Tiens, c'est un Paul. J'ai déjà ça. J'ai un vélo, tu sais. Voilà. Il y a deux Rémi Paul. Rémi Paul! Dis bonjour à Rémi Paul! Rémi Paul! Dis bonjour à Rémi Paul! Rémi Paul! Je pense que bon, Rémi Paul a dit bonjour à Rémi Paul. Ouais. Il a fait. Quoi? Hey. Pas de message, y'a pas de message. Tu dis pas les messages. Le conducteur fou de Mest 210. Voilà. Tu pas conduit follement, tu sais? Si. T'as failli rentrer dans une voiture sans permis. Ouais, mais ça, j'ai pas eu de chance. Pas sans permis. Et je l'aurais défoncé. Ouais, ouais. Et moi j'aurais fait. Je l'aurais défoncé avec une voiture qui n'est pas à toi. Et j'aurais été en tort. Ouais, ouais. En fait, c'est autorisé les voitures sans permis vraiment là? Sans permis? Ben oui. Les voitures qui roulent à 50. Non, je pense pas. Hein. Bah, je suis tombé là-dessus justement, donc j'aurais pas été en tort. Bah, tant mieux. Que pour quoi? C'est. Normalement. Si c'est 50 max, ouais. Regarde, il y a un message. Madame, il y a un message. Coucou. Après, coucou la copine de Sofiane. Le message, il apparaît pas. Si, il est là. Quoi? Je suis pas bien là. On va à Saint-Paul. J'ai un matelas pour vous, je vous mets dans la cave. Non, il n'y a pas de cave. Il y a le grenier. Elle n'est pas exceptionnelle, mais. Ah ouais? Tu vas l'air bien quand même. Sérieux? Ouais. Elle est mieux qu'à Saint-Benoît ou pas? Non. Ah bon? C'est vrai? Ah oui, Saint-Benoît c'était un 8 sur 10. Là on est sur un 6 sur 10. Ah ouais, à ce moment-là. Oui, vraiment. Je déconne pas. Et le cadre? Le cadre par contre est bon. Le cadre par rapport à Saint-Benoît, il y avait Saint-Benoît, bon, c'était directement en ville, mais c'était un 6, 7 sur 10. Là, bah, t'as la plage, t'as tous les magasins, t'as tout, c'est un 7. C'est trop bien. Bah, y a Snap, Snap, les cœurs, enfin, y a plein de trucs comme ça. Hein. Tu vois tous les magasins qu'il y a là-bas, là. Ouais. Et tout ça. Genre hier, moi je. Tiens, regarde Moscou, regarde la montagne, waouh. Wow. Ouais, t'as ça à Beauvais de... Est-ce que t'as ça à Beauvais? Non, t'as pas ça à Beauvais. Regarde les nuages, incroyable. Les palmiers, waouh. J'ai dû nous montrer tous les enseignes. Regarde, waouh. Qu'est-ce que t'as à Beauvais, toi? Du goudron, de la pierre, du caca de chien et des inondations. Des inondations, voilà.
Des McDo, t'as obligé. Bah, il y a des McDo ici aussi. Hein. Ouais, c'est vrai. Mais bon, ceux de Beauvais, ils sont moins chers. Mais regarde ça! Regarde la vue! C'est la première fois qu'ils découvrent le paysage avec le téléphone là, c'est bien. En vrai, tu trouves pas que la qualité est bonne? Ouais, c'est pas mal, c'est pas mal. Mais bah, c'est mieux que ton ancien téléphone. Ça donne un peu moins bien en stream, normal, mais. C'est toujours mieux quoi. Au Japon, ça sera pas trop mal quoi, s'il y a une bonne connexion. Il faudra payer. S'il y a une bonne connexion. D'ailleurs, je vais au Japon la semaine l'année prochaine. On en parle tous les jours, heureusement qu'elle est au courant. Non, surtout vous avez repoussé. Oui. Alors, on n'a pas eu le choix. Ouais. Bah, ça va me piquer le cul, hein, le billet. En vrai, heureusement qu'on a repoussé parce que Moscou, il aurait pas pu venir. Hein. Parce qu'il était dans le sud. Non, mais il aurait pas été dans le sud. Il a pas d'argent. Ah, ouais, ça. Prends son billet. Ah, Moscou. Non mais l'argent. Vest il habite à la Réunion, non? Ouais ouais. Bah voilà. Ça me donne même en plus il a dit. Ça se trouve c'est mon voisin. Il s'est mis sur tout tard, il m'a fait beaucoup. Ah bon? Ouais. Après il a sauté sur ma voiture et puis j'ai fait un poum. D'accord. C'était plutôt pas mal. Non mais ça passe pour toi Mest parce que t'habites ici. Mais Mozgovitch lui, il pense qu'on habite dans la savane, il pense qu'il n'y a pas de route, il pense qu'on sait pas lire. Ouais, voilà. Il pense qu'on sait pas parler. Voilà, voilà. Après il a pas tort parce qu'on a un peu de mal parfois mais. T'as vu le parallélisme, il est bien. Mmh. Heureusement. Heureusement. Prends l'avion. Et du coup, c'est ta mère qui t'emmène. Où ça? À l'avion. C'est mon père. Tout seul? Je suis cool. Putain, je sais pas pourquoi il freine. Plus mon œil gratte. Non mais ils freinent pour tout et n'importe quoi ici, hein. C'est abusé, c'est pire que Paris. Oh non, c'est pas. Non, pire que Paris. Bon. C'est Paris en fait, c'est Paris. Bah je sors après encore. Bah oui. Plus loin. Ouais, tu sors plus loin, je te dirais. C'est ça, Mest, exactement. De quoi? Ouais, comme tous les oreilles qui apprennent l'existence de la Réunion. Ouais. En vrai, pas comme tous. Par exemple, Nico, lui, il est pas comme ça, tu vois. Mmh, bah, quand même, ce gars, il dit des trucs et que t'es pas là, il aime bien se foutre ma gueule oui, aussi. Oui, mais Nico, tu vois, c'est pour rire. Ça se voit que c'est pour rire. Ouais, et Mosgo, on dirait vraiment qu'il est non, sérieux oui, quand il parle. Vraiment. Là, tu lui montres les magasins. Regarde. Waouh! Waouh! Run Market, waouh! Depuis quand il y a Run Market? C'est quoi ce truc-là? J'avais jamais ça a parler. Changé. C'était Jumbo avant. Maintenant, ouais, c'est ça. Tous les Jumbo ça, ont été achetés par. Je sais plus comment il s'appelle le groupe. Un mec à la Réunion qui était riche quoi. Non, même non. C'est pas un mec à la Réunion, c'est un mec des Antilles, me semble. Ah ouais? C'est un groupe. C'est pour ça qu'il a dit Market. Ouais. Market, c'est cru un petit peu américain. Ouais. Regarde, il y a des lampadaires sur la route. Toi, t'as acheté un nouveau short? Non. Si? Non. Nouveau short, moi aussi c'est un nouveau short, regarde. Et montre-le-tiens. T'es les chantes. Hein. Ouais. Mon père il se foutu de ma gueule là tout à l'heure. Avec ça là? Il a dit ouais. Là tu vas en short avec des chaussures et des chaussettes, je sais pas quoi. Après Adèle a dit quoi? Mais Adèle aussi, Daryl aussi sera pareil. Bah oui en plus, regarde tes chaussures, c'est la même chose que toi. Et du coup mon père a fait ouais de toute façon c'est de là. Ouais, il voulait que je mette des mocassins. Vraiment? Ouais. Je dis non, j'ai dans un parc. Si se trouve, j'ai couru, on sait pas. Je vais pas prendre tes mocassins. Des mocassins. T'as vu mes chaussures? T'as vu? Tu sais que c'est depuis hier, il veut que je mette des mocassins. Pour aller travailler, il m'a dit bah mets des mocassins. Je dis, non. Alors que tu dois avoir des chaussures. Regarde, il y a un avion dans le ciel, tu vois, Mosgo? Il y a des avions c'est ici. C'est un vrai, c'est un petit truc. Ah, c'est un avion. Je sais pas si on appelle ça un avion. Regarde. C'est la savane ça? Non, c'est pas la savane. Mais pourquoi tu montes pas le bon côté de la route en fait? Regarde, il y a des conteneurs. C'est la savane ça? Non. Putain, ils se courent de côté. Non, mais de toute façon, faudra le monter. Regarde, il y a un cimetière. Non, mais regarde. Plein des yeux ici. Non, mais c'est vrai. Genre, il est bien rempli. Hein. Bon, on peut pas en remettre un autre. Rémi Paul!
prochain cycliste, je baisse ma vie du gris Rémi Paul. Vraiment ? Imagine, je fais. Rémi Paul ! Rémi Paul ! Rémi Paul ! Rémi Paul ! Ah, il a tourné la tête quand même. C'était vraiment lui ? Peut-être qu'il s'appelait Rémi ou Paul. Ou Jean-Paul. Jean-Paul. Mais je sais pas. Ça veut dire qu'il y a un radar. Un radar. Dans la direction où nous allons. Adaptez votre vitesse. Votre allure. Ouais, c'est bien. Tiens, on aurait dû prendre une sortie, non? Quoi? Pour aller Oui. Tu vois la Trinité là? Je crois que c'est pas la prochaine. Non, c'était avant. J'en ai ras le cul. Hein. Non, mais il y a moyen de. Ouais, non, mais il y a. Enfin, à gauche à mon avis. Ouais, voilà. Par deux canons. Ok. Bah, au pire, on ira encore à chaud. Non, non, va au parc de la Trinité. T'as vu le nombre de radars qu'il y a ici, vraiment, par contre, c'est abusé. Ouais. Regarde, il y a des drapeaux. Regarde bien, Mosgo, hein, regarde bien. Il y a le drapeau français. Il y a le drapeau de la région Réunion. Il y a le drapeau européen. Européen. Ouais, c'est vers Sainte-Clotilde. En vrai, on est pas loin. Hein. Sainte-Clotilde, ouais, prochaine. Non, alors, dis pas n'importe quoi. Pas ici, hein. Ici, il y a un panneau. Merci beaucoup. Bon, pour un débutant, hein. C'est parce que je tiens mon volant comme ça, c'est pour ça. C'est compliqué, hein. C'est pour ça, hein. Ne pas m'enfermer. Non. Sérieux? Bah, alors. Tu tiens ton volant comme ça, t'es pas... Comme ça. Là ouais. Là ouais, ah, là ouais. Ah, ah, Rémi Paul et Rémi Paul. Putain, que là. Les voitures d'occasion en plus. Qu'est-ce qu'il y a ça en métropole? Oh oui. Pas. Là, sans cette teinte là, c'est bien, non? Non, c'est pas bien. Bien. Bon, à la prochaine, là. Deux canons, c'est ça? Ouais, c'est ça, c'est deux canons. Ah, je pensais que c'était deux canons posés les uns à côté de l'autre. Ouais, il doit y avoir deux canons qui traînent hein, pour que ça s'appelle comme ça. En fait, compte, c'était le panneau quoi. Ah si, si. Et là, du coup, je fais quoi? C'est la rue là-bas. Là, c'est écrit parc aquatique. La rue de canon? Ouais. Okay. Moi, je me suis bien mis. Regarde, t'as ça à Beauvais? Non, t'as pas ça à Beauvais! Oh. Regarde-moi cette magnificence! Aïe! Allez, à plus, Mest! Bonne journée! Bon jeu! Tu merci d'être passé? Bien de Ayaka! Merci d'être passé? Ouais, merci d'être passé! Ça fait un moment qu'il est là! Hein. Ouais. Il est là depuis que je suis arrivé à Saint-Denis! L'autre il, sens! Il a dû voir ça! Alors. Il a dû voir ça! Il a vu la route, il est en là aussi! Ah, y'a une Subaru là-bas. C'est ma voiture. Mosgo, t'as ça, non? Quoi? Mosgo, t'as ça, toi? T'as ça, Mosgo? C'est des Subaru à Beauvais, je crois pas. Hein. Je l'en ai pas vu, en tout cas. Oh, est-ce que t'as ça, toi? Un immeuble Canal Box. Oh, tu veux pas? Filme pas trop là. Pourquoi? Parce qu'il est cabossé. Oh, t'inquiète. Non, en vrai, elle est... ça va. Il filme le ciel, tu sais? Il est beau le ciel. Hein. Oh, ouais. Non. Oh. J'ai où ensuite, j'ai où Je continue jusqu'à ce que j'arrive en vrai. Parc aquatique. Donc la droite. Voilà. Tu vois, il y a tellement de verdure, parce que c'est pas la savane, Mosgo, il y a tellement de verdure que ça pousse devant les panneaux. Voilà. Et là, t'es fier de ça. Il y a des pneus skiers, regarde, des pneus à Beauvais. Centre pneumatique, automarket. T'as ça à Beauvais? T'as pas. Est-ce que déjà il verra cette vidéo? Parce qu'elle va pas être. Il va pas regarder. Elle va être. Non, on va lui montrer, on va lui montrer. Je vais aller chez lui, je vais l'attacher. Regarde, snack de la type pizza au feu de bois. T'as ça toi? Non, t'as pas ça. Pizza au Domino's. Je vais où? Tout droit en vrai. Non, il faut aller à gauche. Moi, je peux pas trop aller à droite. Aller à gauche. Gauche.
À gauche là-bas? Ouais, ouais. Ok. Putain, il va t'es déjà passé au feu ici? Non. C'est le pire de l'île. Sur le rond-point. C'est le pire de l'île. Le pire rond-point de l'île. Voilà. Sans déconner. Ouais, le prochain c'est le pire. Pourquoi il a quoi de spécial? Bah, tu verras. Il y a des feux dans le rond-point et personne ne respecte les voies. Ok. Enfin, je m'adapte quoi. Ouais. C'est un peu comme un rond-point centre de Paris. On devait venir au parc aquatique aujourd'hui. Ah, il y a un parc aquatique, Mosgo. T'as ça à Beauvais? Ouvert, vraiment hein. Puis on va faire ça, hein. On est équipé. Pas trop équipé. Non, on a pas. Peut-être dimanche prochain, hein. Ouais, ouais. Au pire, vraiment, ouais. Comme ça, on se rejoint ici. Ah ouais. C'est pas une mauvaise idée, hein. Quoi? C'est l'opéra. On paiera le son parc aquatique. Parce qu'il veut faire des activités gratuites. Comment ça, opéra? Non, non. Je vais où, Bah, là, c'est bah, le parc, il est à gauche. Et le parc est à gauche. Il y a. Ouais, ce rond-point. Et il y a la grande roue. Waouh! La grande roue, elle est où? Waouh! Il est où le prochain parking, Adèle? En vrai, c'est nous qui se garent. Dans le skatepark? Dans le skatepark? En fait, il faut pas qu'il passe par là-bas. Il faut qu'il passe par là-bas, mais c'est trop tard, il va passer. Donc, voilà, je vais tout droit, c'est ça? Ouais. C'est pas rectifiable, peut-être? Non. Celui-ci, t'inquiète. Hein. C'est rectifiable. Si tu me dis que c'est meilleur tout droit, moi je vais tout droit. Ouais. C'est mieux de se garer de là-bas. Dans le parc là-bas, parce que là-bas il n'y a pas de parking, il y a la station. Tu vois, regarde sur ma vie. Bah, j'ai l'impression qu'ils ne respectent pas trop les gens. Ils sont bien. Alors, on laisse passer. Et puis là, on regarde, il y a un gentil monsieur. Merci monsieur. Allez, attention, il y a un feu au milieu, c'est vert. Ouais, c'est vert. Et ah, il y a vraiment une grande roue. Tu vas à gauche. Et tu vas débloquer. Nous, on habitait là-bas avec Adèle. Vers là-bas? Ouais. Et du coup, tu passais sur le rond-point là? Tu marchais dessus? Ouais. Non, en vrai, je passais plus haut. Et je traversais le parc. Donc, je vais là-bas? Cœur vers mes couilles? Oui. Okay. Et je me gare où je veux là. J'aime pas. Encore, il y a un petit. Ce sera peut-être mieux. Ouais. Franchement, la caméra, moi ça me saoule. Ouais. Je suis avec ça. Je suis avec ça. Putain, ça fait déjà 1h30. Qu'est-ce que je fais? Je coupe? Ouais, coupe. Ce sera mieux. On remettra quand on sera dans la grande roue. Si on mettra des petits bouts à droite à gauche. Que tu veux qu'on aille dans la grande roue? Oui. Pour montrer ce qu'on a, ce qu'on fait de beau. Des bisous à ceux qui sont encore là. Et par carte? Je sais pas, j'ai pas compris. Tu peux appuyer sur le bouton fin, Adèle, s'il te plaît? Appuie sur le bouton fin, s'il te plaît. Là, j'ai déjà sur le bouton fin, s'il te plaît. C'est ça. Comment t'appuies sur le bouton fin, là-haut? C'est trop loin, ouais. Allez.